Good morning, les Yidden, tu te rejoins aujourd'hui. Les Elohim Shmat Richaron Ben Fortuné Mazal et Fortuné Mazal Bat Louisa. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Michel projeté à 5 minutes éternelles, nous étudions ma Sechet Migila, Perek Aleph, Mishnah Tet, En Ben Kohen Mashuach, Beshem Ben Mishra, Les Marbe, Les Mroube, Les Mroube Begadim, et la part Abba Alkol Amitzvot. En Ben Kohen Meshamesh, Les Kohen Shehavar, et la part Yom Akipurim va à Sirit Ha'efa. Encore une Mishnah avec les fameux Enben, les nuances entre deux notions qui sont semblables, où on trouve les différences, d'accord, on a déjà brassé plusieurs domaines de la Torah. À présent, on a le Kohen Gadol. Il faut savoir d'abord que le Kohen Gadol, il y a en fait, quand on dit qu'il y avait un Kohen Gadol, c'était un peu plus compliqué. Il n'y avait pas exactement un Kohen Gadol. Pire que ça, la Mishnah, elle va parler de deux sujets différents. En fait. Tout d'abord, il y a eu deux périodes dans le Kohen Gadol. Pour être un vrai Kohen Gadol, on va dire comme ça. Pour être un vrai Kohen Gadol, un Kohen Gadol total, alors, il fallait d'abord, pour entrer en fonction, il fallait, d'une part, porter les 8 Gadim, les Shmoné Gadim, Echnasaim, Meil, Avnet, Ephod, Rochen, le Mitznefet et Tzit, c'est le. D'accord, le Shmoné Gadim, ce qu'on appelle, à la différence d'un Kohen Idiot, qui a juste 4 Gadim, 4 habits, et lui, le Kohen Gadol, il a 8 habits. Et entre en fonction en portant ses vêtements et en commençant à travailler en guise de devenir un Kohen Gadol. Et à l'époque du premier Beth Amikdash, jusqu'à l'époque de Yoshiyahu HaMelech, il y avait de l'huile d'onction. Il faut aussi loindre d'huile avec une huile spéciale qui était préparée par Moshe Rabbeinu même. Après, cette huile s'est perdue. Du coup, les Kohen Gadol, ils continuent à être Kohen Gadol, mais sans être loin. Et ça, ça impliquait une première nuance, c'est la première partie de la Mishnah, qu'on va voir après, d'accord, je vais le détailler. Maintenant, à part ça, il y avait simultanément, on pouvait se retrouver avec trois sortes de Kohen Gadol en même temps. Trois personnes qui étaient appelées des Kohen Gadol. Il y avait le Kohen Gadol lui-même, qui était en fonction. Il y avait aussi un Kohen Gadol chez Avar Memshichato. C'est quoi? On parle d'un Kohen Gadol que le Kohen Gadol, il doit faire la Voda à Yom Kippur, essentiellement. Tous les jours, il peut encore nommer des délégués, tout ça, il n'est pas obligé d'être présent constamment dans le Kohen Gadol. De temps en temps, on a besoin de lui pour faire des avodot spécifiques relatives au Kohen Gadol. Il y a une situation maintenant, si à Yom Kippour, le Kohen Gadol a eu un épanchement, à cause de ça, il a été impur, il n'a pas pu travailler à Yom Kippour, on a nommé une deuxième personne Kohen Gadol à sa place. On avait déjà prévu initialement, et puis maintenant on le nommait Kohen Gadol à sa place pour qu'il travaille. Dès que le Kohen Gadol, il avait, et du coup, il devenait Kohen Gadol par intérim. Chaque fois que le Kohen Gadol classique, normal, ne pouvait pas travailler, c'était lui qui travaillait. Lui aussi, il a un statut de Kohen Gadol. Ça veut dire que s'il veut travailler au Beth Amikdash, s'il doit faire un avodah au Beth Amikdash, il doit nécessairement avoir les 8 Gadim et pas les 4. C'est invalide, vous savez, un Kohen idiot. Si on met des habits de Kohen Gadol pour travailler, il transgresse un interdit, il a un din de Zarout, je ne sais pas si c'est le Khamim, je ne sais pas, mais en tout cas, il transgresse un interdit. Et idem aussi, un Kohen Gadol qui va travailler avec des habits de Kohen Idiot, il ne peut pas travailler avec des. Il peut pas faire un service avec des habits de Kohen Idiot, parce que le Kohen Gadol, il a un statut spécial. Du coup, celui-ci, là, qui a remplacé le Kohen Gadol intérimaire, eh bien, il prend un statut de Kohen Gadol. À part ça, il y a une autre sorte de Kohen Gadol qu'on ne parle pas dans notre Mishnah, c'est le Zemashuach Milchama, c'est le Kohen Gadol qu'on nommait spécialement pour partir à la guerre et pour nommer là-bas les. On parle au peuple et on parle aux guerriers. On n'en parle pas dans notre Mishnah. Donc en fait, on va comparer deux Kohen Gadol avec des halakhot particulières. Premier sujet, donc, c'est En Ben Kohen Mashuach, Beshem Ben Mishra, les Mourbe Gadim. Il y a des différences entre le Kohen Mashuach, Beshem Ben Mishra, entre le Kohen Gadol que l'on a loin de l'huile d'onction, par la différence avec le Kohen Gadol qui est devenu Gadol uniquement par le Mourbe Gadim parce qu'il a vie. Il est entré en service en portant uniquement les 8 Gadim parce qu'il n'y avait plus d'huile d'onction. Sur quel cas on va trouver qu'il y a une différence entre eux, et bien c'est la par Abba Alkol Amizot. Que sur le par Abba Alkol Amizot, lorsque le Kohen Gadol fait une Avera, qu'on est passible de Mémézid Karet, et qu'il le fait Beshogeg, alors une personne classique qui transgresse d'abord, qui transgresse comme ça une faute comme ça, on est transgressé Shabbat Beshogeg, il devra apporter un Korban Khatat.
Pour le Kohen Gadol, il apporte un Korban Traza très particulier qui s'appelle Par Elam Devar Hashem Tzibur. Par Kohen Gadol, tout simplement. D'accord? C'est le Par Aval Kol Mitzvot. Le Par, un taureau, il devra porter. À la place, il doit porter une Kisba ou Seira, une brebis ou une chèvre. C'est la seule différence. Tandis que pour toutes les autres choses, toutes les Mitzvot, que l'un est implique, qui implique qu'un combat l'un, elle incombe à l'autre aussi au même titre. Se marier avec une Betoula, qu'est-ce qu'on a encore avec les Mitzvot du Kohen Gadol, le devoir d'apporter la Sirit Haefa tous les jours, comme ce qu'on va voir tout de suite dans la Mishnah justement. En ben Kohen Meshamesh, le Kohen Shavar, il y a même une différence entre le Kohen Meshamesh, le Kohen qui est en fonction concrètement, les Kohen Shavar, et le Kohen qui a été mis en Bedimus, je ne sais pas comment je le dis en français, qui a été mis en, en retrait, on a mis sur la touche pour le moment. Eh bien, l'unique différence qu'il y a entre les deux, c'est que et la par Yom Kippourim va à Sirit Haefa, uniquement le par Yom Kippourim, le devoir d'apporter un par, spécialement un taureau à Yom Kippour, et la Sirit Haefa, les Chavite Kohen Gadol. Alors j'explique là-bas, c'est très simple, c'est deux mitzvot qui incombent le Kohen Gadol spécifiquement. À Yom Kippour, il a le devoir de faire la Avoda, le Kohen Gadol, et d'apporter un par particulier pour sa kapara, d'apporter un taureau spécial. Bezot Yavo Aaron. Elle a connu Bepar Ben Makar Lechata, il est là. Par Chata Shava de d'Acharemot. Où là-bas il devra porter un par, un taureau. Qui est assez frais. Alors là, le Kohen qui est maintenant, qui est plus, qui n'est pas en fonction pour le moment, eh bien, il n'apportera pas le par. Ok. Et aussi, idem aussi pour la Sirit Haefa. Sirit Haefa, c'est le Chavite Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il a le devoir de financer tous les jours une oblation spéciale. La Chavite Kohen Gadol, et qui est apporté la moitié le matin et la moitié l'après-midi. Et pour ça, c'est un compte spécialement au Kohen Gadol qui est concrètement en fonction et pas à celui qui a été mis sur la touche. Tandis que tous les autres Avoda, le Bartenor et les Énumères, si ça vous intéresse, qui devra porter les 8 vêtements pour faire une Avoda, qui devra se marier avec une Betoula, et ne pas se marier aussi avec une veuve. Un Kohen classique a le droit de se marier avec une veuve. Il n'a pas avec une divorcée, mais avec une veuve, il a le droit. Et bien le Kohen Gadol, même le Almana, l'Almana, il a le droit de se marier avec elle. Et aussi, il y a aussi un Makrivin Onenim. Si l'Onen, s'il a eu un deuil, il a le droit malgré tout d'offrir des corbanotes, le Kohen Gadol. Alors qu'un Kohen classique, quand il est en deuil, il n'a plus de Sivra, il doit nécessairement rentrer chez lui, il ne peut plus travailler. D'accord? Et le Kohen Gadol, donc, il aura. Et ça, ça incombe même au Kohen Gadol qui est concrètement en fonction, ou celui qui a été mis sur la touche pour le moment. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.